Allo tout le monde, voici Champion MMCA. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui se nomme City Skyline. Bon, il y a une petite affaire qui m'énerve là en ce moment. Vous voyez là, ma souris, vous voyez le temps là. Je suis absolument obligé de l'avoir, parce que sinon vous allez plus m'entendre à un moment donné. Ouais. Nous allons faire une nouvelle partie. On va aller avec cette map là. Je vais toujours pas coincé à faire ça. Ça m'énerve. Je suis désolé d'avance si ça lag. Je suis vraiment désolé d'avance. Mais c'est pas de ma faute. Ça m'énerve comme ça se peut pas. Mais j'ai pas le choix de faire ça. Si vous voulez avoir cette vidéo qui est pour le programme d'été, qui est prévu pour l'été, bien évidemment. Nous avons tout ce terrain là. En même temps, ça me dit aussi combien de temps que je tourne en même temps. On va juste découvrir ça ensemble. Bon, pour ma part, j'ai déjà joué. Pourquoi pas faire une vidéo sur ça? Tant qu'à ça. Nous avons 70 centimes. Je me trompe, je sais bien le nom de la monnaie. Il faut des routes. Pour les routes, on fait ceci. Je vais payer pour... lui, j'ai pas le choix de 1040$ si je veux... Ça c'est si je veux... Que ça soit égal. Rendu ici. Parfait. Nous allons commencer à construire. Pour cela, il va falloir des habitations. Tiens, on va mettre ça d'habitation. Sachez que dans ce jeu, toi qui me mets directement à moitié, sérieux. Je suis vraiment désolé pour le son, là. Je suis vraiment très désolé. Sachez qu'il y a des affaires ici aussi. On peut savoir la population, si le monde sont contents. Je veux pas aller là. Ici c'est... On peut avoir des budgets, on peut varier ça. Des budgets pour temps. Pour plusieurs choses. Des impôts et des prêts. Budget. Ça me coûte rien pour l'instant. Bien sûr. Ça me coûte cher. Parce que oui, il va falloir puiser. Nous avons besoin de ceci. Un éolien. Ça pollue ça. Donc, un éolien. Voilà. Ça, c'est en train de construire. Faut emmener toute l'eau jusqu'ici. Là, c'est qu'ils n'ont pas d'eau puis d'électricité. Là, on va ici. Ça va me coûter très cher.
Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai absolument pas de ch le choix. J'ai vraiment pas le choix de faire ceci. Je veux te mettre au milieu, je veux pas te mettre là. N'importe quoi. Ça c'est pour l'eau. L'électricité, c'est pas grave. Pas grave là, si vous avez pas d'électricité. On va faire ici un parc éolien. Comme ça, ça vous coûte. Non, je vais le faire ici en haut. Comme ça, ça va coûter beaucoup moins cher. Ensuite, on va emmener l'électricité. Jusqu'en ville. C'est à peu près ça. Ah, c'est vrai. Et ainsi que jour-nuit. On peut toujours vérifier. L'électricité passe. Tout le monde est content. Il y a de l'eau. C'est parfait. Il va falloir aussi... ah oui. Mettre ici. C'est quoi? Parfait. Et il a de l'électricité. C'est l'affaire 12G en gros. Si on voit absolument rien. Là, ça nous dit qu'ils ont besoin de d'industrie. On va construire une route. Prolonger cette route pour 400$. Voilà. Pour 400$, on a cette route-là. Ça, c'est question de séparer tout simplement. Oh. Je peux contrôler qu'on... Intéressant. Je viens de découvrir ceci. Ici, ça va être des commerces. Ouais, parce que ça me tente. C'est vrai que c'est pas une très très bonne idée de mettre des commerces là. Je repense à ça. Commerce, attendez un peu.
Sérieux? Une chose qu'on peut faire aussi. Dézoner. On peut tout simplement dézoner. Une affaire. Et moi je vais continuer à mettre de... Ah ok, je comprends. Parce que c'est montagneux. De toute façon, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'un peu d'électricité. Voilà. Et de l'eau. Et maintenant, ils ont pas à se plaindre. Parce qu'ils ont toute électricité, eau. Pourquoi que je fais ceci? Parce que l'usine, ça pollue pas mal. Puis on va éviter de rendre le monde malade trop rapidement. C'est juste pour ça. On a beaucoup d'eau ici. Là, on n'a pas de pollution parce qu'il faut atteindre un certain nombre d'habitants. Pour commencer à avoir de la pollution. Ça, c'est la nuit. J'aime pas trop vraiment la nuit. C'est ce que j'ai fait dans mon nez, c'est que j'ai tout simplement désactivé la nuit. Tout simplement. Là, ils ont besoin d'habitants. Parce qu'ici, ils disent s'ils ont besoin d'habitants ou non. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'habitants, industrie, tout ça. Moi, ça ne tombe pas que ça va trop vite. Alors, je décide d'être là. Voilà. Fais ceci moi. On peut même contrôler si on veut des lumières ou des stops pour la circulation. Je pense que je vais commencer à construire une route. Même si je dois dézoner un peu une place commerciale, parce que ceci est commercial et non industriel. Ça c'est industriel en orange, ça c'est commercial en bleu, ici c'est résidentiel. Quand ça fait jour. Ici, pas assez d'employés, manque d'employés, ici aussi, oh, il commence à manquer d'employés partout. D'accord, c'est pas grave, m'en fous un peu. Manque d'employés vraiment partout. Vraiment. J'ai 187
Eh putain, le monde sont contents. Tant mieux. Ici, il y a plein de fonctions. Pas assez d'employés. Ceci, le vent. C'est où qu'il y a le plus de vent? Ça dit qu'il y a beaucoup de vent ici. Ok. Changement de plan. Là, je suis dans la zone la plus forte. Ici. Mais sinon, je ne suis pas dans la zone la plus forte. La zone la plus forte. C'est idéal. C'est ici le parc éolien. Finalement, je vais le faire ici le parc éolien. Pour la circulation. Ça sert plus bien. Il n'y a aucun problème de circulation. Ça c'est l'autre affaire. Donc on peut voir que site contrôlé là, il ne s'arrête pas vraiment du tout. Mais si je veux mettre des circulations ou des stops, j'ai le choix. Route sélectionnée. Donc, sélectionner les routes. Pour éventuellement être à une voix. C'est beau. Ok. Bon, on est de retour, je ne sais pas trop comment. Faudrait que je change les routes, mais. On ne tente pas de démolir cette route plusieurs fois. Alors, on va laisser faire. Nous allons construire une autre route par contre. Nous avons 14 000 $ qui est pas beaucoup. Ça c'est bon. On a tout ce qu'on veut mettre industriel jusqu'à là. Ici on va tout mettre sur résidentiel. Ici, pour se construire. Ici. Voilà qui est beaucoup mieux de même. Bon, au moins on a séparé ça un peu. Niveau électricité. Tout va bien. Niveau eau.
tout va bien. Nous sommes à 315 316 habitants. Tout est bien. Ici, c'est très venteux. Comparé de là-bas. L'électricité. Quelle idée que j'ai pris pour mettre cela? De mettre cela. Moi, des fois. Au moins, ça sera. Au moins. Là, il n'y a pas de niveau pollution, mais il va en avoir de la pollution. C'est joli. L'argent en amende. Moi j'aime mieux. J'avoue que j'aime mieux ça. Illimité d'argent. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est un défi après. Bâtiment abandonné. Ok. Ça d'accord. C'est là qu'il va falloir en détruire. Parce qu'il n'y a pas assez d'ouvrage. Ah, du coup il n'y a plus d'électricité. Pas d'électricité de très peu de temps. Ça c'est réglé. Ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je suis rendu à 326 habitants. Ok, très bien. Ici c'est la zone polluante, donc on a dû enfermer parce qu'il manque de population. Oui, il manque de population parce que ce n'est pas le temps d'investir. Ça. Donc simplement. Si on veut jouer le temps de sauter, on va faire ceci. Mais honnêtement, ça va être tout pour aujourd'hui. J'ai bien aimé faire ce jeu. C'est sûr qu'on ne s'est pas rendu très loin, mais le but pour moi c'est d'aller le plus lentement possible. La raison est telle que si on retrouve vite après ça, en plus les gens manquent d'argent des jeux. Si on va trop vite, on va tout va se dégénérer assez rapidement. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter. Allez visiter mon site internet dans le lien et sur la bannière de ma chaîne. Voilà pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la semaine prochaine qui sera du Minecraft. Comment bien commencer à Minecraft, suivi d'un jeu surprise. Voilà pour ça, je vous dis merci à tous.